Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? On est très content pour rentrer la caille aujourd'hui à pour voter pour nous sixième numéro, mais encore une fois c'est un numéro spécial. Il y a un petit coup de jeu aujourd'hui à que nous allons faire sous un artiste, un talent, un artiste que yo vraiment pas apprécié à sa juste valeur dans génération ça. Monsieur Relé Kenny Demangle, Kenny Way. Jodi a, c'est des artistes ça que nous pral parler dans yon petit coup de jet spécial ça. Et qui me rappelle que ça fait quelques semaines déjà que nous initié on a dit yon petit coup de jet, mais nous décidé à travers deux à trois derniers numéros yo palo de une série d'artistes, une série de formations musicales que nous quoi histoire yo, carrière yo à petit nous ou même qui intéressé à comment ça a passé dans la culture haïtienne là, particulièrement dans la musique haïtienne là. Édition spéciale là va poursuivre puisque édition spéciale yo dépassé tant 5 minutes que généralement nous attribuer à un petit coup de jet lorsqu'on a présenté des informations ou bien l'actualité de la musique haïtienne. Mais là nous entendons nous dans numéro spécial yo les présenter des artistes et n'a retourner sur carrière yo. C'est des numéros qui a plus long que numéro habituel. Et je dis à numéro ça c'est sous Kenny Demangle. Un artiste que en pile monde connaît. On va dire tout le monde qui est intéressé à la musique haïtienne, à la musique compas qu'on est. Qui dit que Kenny Demangle, monsieur fait au Cap Haïtien, monsieur fait spécialement dans l'hôpital Justinien au Cap Haïtien, monsieur grandi à l'école au Cap Haïtien, monsieur rentré Port-au-Prince. Après environ 2 à 3 ans à vivre Port-au-Prince, Kenny Demangle, sous démarche famille, décide de move États-Unis, monsieur allé vivre New York. Ça qui intéresse nous, qui t'aimerait rappeler que c'est carrière musicale qui. Mais nous n'avons pas parlé de carrière musicale, monsieur, sans pas garder origine citoyen, garder comment il est arrivé à New York, côté monde qui est véritablement connaît dans la musique haïtienne. Mais carrière musicale Kenny, c'est carrière musicale qui semblait, si vous voulez, avec carrière musicale, majorité artistes haïtiens. Son qui dans la famille, a pas habitué à la musique, son qui dans l'église, li, te kon joué musique. Si on est glaire pour organiser fête la kaili, qui toujours voulait pour chanter. Et c'est comme ça carrière musicale ou bien goût pour la musique Kenny pral et prend cher. Et là monsieur pral commencer faire expérience l'église, j'aime ça dire. Et avec expérience l'église là, Kenny pral associer avec une de nos amis qui était toujours ensemble avec pour commencer former de jeunes formations musicales. Mais expérience qui t'a cap dit mettait Kenny sur scène musicale haïtienne là, c'est expérience que monsieur fait avec la formation musicale Siwell. C'est avec première formation musicale que je suis rentré dans le studio et produit carrément un album. C'était album ça qui était baptisé Zepon. Un album qui était un projet méconnu du grand public puisque c'est quand même un projet malgré le fait que Zepon c'est un album que Siwell t'a décidé de sortir et Siwell dans la période ça son jazz qui était souvent affiché en tandem avec formation musicale qui t'a évolué New York, on a parlé de Phantoms, on a parlé de Zin à l'époque. Mais quand même, Siwell produit une œuvre que malheureusement, un peu le monde pas connaît, que malheureusement, qui pas joindre aura, qui peut permettre que Mounio déjà connaît un bon artiste qui dans Haitian Music Industry, à Jean-Louis Merrill, là, qui relève Kenny Demangle. Et Kenny qui continue carrière, lui, dans travail avec deux artistes, travail avec deux formations musicales. Kenny qui fait chorale, chaque fois, en formation musicale, tant que Zin dans studio, soit pour produire en musique, soit pour produire album. Kenny qui travaille avec de l'autre artiste dans le milieu musical là, pendant la période ça, un artiste tant que Shea, un artiste tant que Ralph Bonsi, un artiste tant que Fafati Bot. C'est des mondes que Kenny Demangle travaille avec eux sous projet personnel yo, pendant la période, l'homme se fin quitter formation Siwell après l'album Zepon en fin de sorti. Et période que monsieur pral intégrer la formation musicale New York All Stars. Mais avant même que nous arrivions là, qui nous rappeler pour que New York All Stars, avant même que Kenny Demangle t'ait intégré projet ça, et bien dit c'est ton projet monsieur New York All Stars avec premier projet ou bien avec premier album que t'ai sorti qui t'ai baptisé Gaspillé en 1998, eh ben c'est pas ton groupe musical, c'est ton projet, plusieurs amis qui mettaient tête ensemble et qui décidaient mettre projet New York All Stars à sous pied. Le l'idée a venu pour que Negio transforme New York All Stars en formation musicale. Et là, il va faire appel à Kenny Demangle comme chanteur pour associer à Armstrong Jeune. Et c'est avec l'arrivée de Kenny Demangle, Jazz ça, qui était le New York All Stars. Ou ton projet ça, qui était le New York All Stars, pour aller bailler naissance
à une pi bel album compa qui produit pendant 20 dernières années ça yo, l'album Pour la vie. D'ailleurs, musique qui pote titre pour ni album là, c'est quand même une musique qui avec le temps a positionné comme un véritable classique de la musique haïtienne. Une pi bel musique love que compa jamais produit hein, Pour la vie avec la voix de Armstrong Jeune, chanteur par excellence dans la génération compa ça. Eh bien, quittez-moi dire que l'album Pour la vie, son album qu'on est capable de retrouver Kenny Demangle comme chanteur sous lui, retrouver Kenny Demangle comme compositeur, comme arrangeur, comme producteur, en musique tant que Oukadim ça, qui sont superbes compositions avec de très bons arrangements sous lui, c'est quand même un travail, une œuvre que Kenny Demangle produit. Et sur l'album ça, tout est gagné un paquet de superbes compositions, là pour musique tant que N'a fait yo saisi, ou pour musique tant que Pour la vie, j'aime ça dire le titre éponyme album là, ou prend Cargo Compas, Parfum d'été, ou prend One More Chance, ou prend Paris pour m'aimer. Autant de superbes propositions, Loving You, c'est des musiques assez sublimes qui te retrouvent sous projet ça, un projet, j'aime te dire et m'a rappelé, qui te baptisé Pour la vie qui sortit en 2000. Et après projet ça que Kenny réalisé avec la formation New York All Stars, un projet qui n'a pas duré, parce que jazz ça, son jazz que moun yo te dit par rapport à qualité musicien que t'es là dans yo, yo te estime que jazz ça pas capable de vivre longtemps sous échiquier musical haïtien. Long jazz gen la dan, on est tant Armstrong Jeune comme chanteur, li gen Kenny Demangle comme chanteur, comme compositeur, comme arrangeur, comme producteur, li gen la dan, on est tant Chedley Abraham comme batteur, li gen la dan Iva Bell de Fridge comme bassiste. Donc pas besoin de dire plus, c'était vraiment un dream team dans la période ça, la formation musicale New York All Stars. Kenny pral quitter groupe ça puisque groupe là tout lui-même pral craser par rapport à obligation que chaque musicien dans jazz ça te gagné. J'ai décidé quitter projet New York All Stars là et à le mettre sous pied propre projet lui qui t'a pral baptiser 509. 509 509 aria code compa mettez sous pied super projet. Jazz la sorti avec une musique qui baptise Fake. Musique ça permet 509 péter plafond. N'a pas rappelé que musique ça, c'était quand même une musique qui était annoncée, sorti premier album formation musicale ça qui était relé 509. Album ça lui-même qui était baptisé Shake. Un album qui était gain sous lui en musique tant que Fake, j'aime ça dire qui était cartonné, qui était gain sous lui supposé lever mélodie, nous connaît Wana autant de titres mais qui pas véritablement qu'on ait des succès fous, même genre musique Fake là, qui t'es placé 509 en pole position pour formation musicale ça, t'es joint plusieurs contrats pour aller animer des soirées avec des promoteurs qui t'a pris les formations musicales là, même si son groupe tout, pour nous dire qui t'es subi un pile boycott par rapport à jeune expérience, monsieur qui t'es composé ou bien qui t'es constitué formation musicale ça, surtout on est avec Diawol qui t'es sorti dans l'église, qui te font coûte expérience en dans design et qui te ou à rejoindre Kenny Demangle pour te former 509. Donc c'est pas vraiment des musiciens d'expérience qui te constitué formation musicale ça qui quand même était une véritable pierre d'achoppement ou bien une dans véritable raison qui t'a la cause que 509 pas vraiment atteint apogée musique haïtienne pendant période que lui-même était sous échiquier musical haïtien. Mais qui te me rappeler que malgré situation difficile 509 qu'on est, eh bien, il est arrivé sortir un deuxième album qui était baptisé Police en 2005. Album ça a été fait suite à premier qui était sorti en 2003 et 2004, album qui était baptisé Shake là et deuxième album là qui baptisé Police avec album ça encore une fois Kenny Demangle pour confirmer capacité compositeur arrangeur li, capacité producteur li tout carrément et capacité chanteur li puisque album ça a gagné sous lit de véritable hit. Là pour musique tant que All I Need Is You, ou pour musique tant que 509 Police, ou pour musique tant que Où c'est où, tant que Tell Me Why. Autant de titres qui te retrouvé sous album Polista qui sorti en 2005 et c'est le dernier album que Kenny Demangle gain chance réaliser, produit souvelé avec le groupe 509 avant même que le quitte formation musicale ça pour lui répondre à appel équipe Zinglean qui était à la recherche d'un chanteur après le départ de Reginald Kangé et de Fréo Jean-Baptiste de groupe ça après réalisation album 5 étoiles là. Mais qui t'a rappelé que bien avant ça Kenny était en fait une expérience avec musicien Zinglean et particulièrement avec Richie puisque ou a rejoint une voix Kenny Demangle
sous projet Le Compas, Happy 50 Compas que Richie t'a produit en 2005, pour souhaiter un heureux 50e anniversaire au Compas Direct, ou abjoindre un Kenny Demang qui chantait sous musique, même qui est le bon anniversaire là, un superbe Kenny Demang, et c'est depuis là, t'as dit que le rapport entre Richie et Kenny commençait à tisser pour arriver en 2007 côté Kenny pour intégrer formation musicale Zinglean et produit avec formation musicale ça la chanson OFF ou fait faute après départ Reginald Akpouro Jean Tédil et avec musique ça Kenny Demang pété plafond Zinglean reprend place li tout le monde songeait la fameuse tournée estivale 2007 de la formation musicale Zinglean avec chanson ça qui était vidéoclip et qui était baptisé OFF et tout le monde songeait tout gros tonton bal ça qui était organisé au niveau de la ville de Jacmel à Yakimo Beach Club hein un superbe bal qui était réalisé et bal ça souvlait musique qui était jouée en live pendant bal ça c'est des musiques que jusqu'à jodia c'est des performances live que jusqu'à jodia en pile monde qui remet Compas Direct attendait à jui par rapport à qualité performance on est tant que Kenny Demang Gracia Delva qui dans période ça tout démonter stage là à chanter à performer avec Zinglean et n'a rappelé Gracia à Richie qui t'a pas réconcilié et réconciliation ça qui t'a pas matérialisé sous forme un album que monsieur ça t'a pas publié à l'O2A qui est baptisé Yo Remele Spaghetti Style qui sorti en 2006 donc c'est pour nous dire que été 2007 là pour Zinglean en Haïti mais vraiment c'était un succès fou avec Kenny Demang comme chanteur vedette formation musicale ça et un an après Zinglean pral sorti album qui était baptisé 5e vitesse avec Kenny Demang comme chanteur et là encore Kenny pral connon succès avec des musiques tant pour moi pas tourner tant pour payer bill tant pour gérer sexy qui était retrouvé yo sous projet 5e vitesse que Zinglean t'a pral sorti avec Kenny Demang comme chanteur et Kenny tout qui a pral participer sous deux projets deux dans musicien Zinglean on a parlé de deux projets personnels musicien ça extra by Boutus volume 3 style de Zinglean connection que Kenny participer sous lui et Kenny t'a pral participer sous album Richie 10 ans plus tard deuxième projet personnel Jean-Yves Richard dans moment que il était dans Zinglean et là un superbe album un album qui t'a gain sous lui des musiques tant pour Don't Let Go des musiques tant pour Gen Moun Li Bay des musiques tant pour Nanou tant pour Cap Haïtien je t'aime autant de titres qui te retrouvé sur l'album Richie 10 ans plus tard là un album que nous avons dit qu'on est un gros tonton succès ici en Haïti et tout côté monde consomme Compas à travers le monde et succès album ça nous croyons que Kenny Demang est vraiment pour beaucoup la donne puisque c'est un chanteur côté voile retrouver sous un pile dans musique qui retrouvé sur l'album ça avec on est un coup d'Aben Chéri qui dans période ça était au côté de Kenny Demang en dans formation musicale Zinglean. En belle période de trêve pour Zinglean en 2009 et 2013 et entre-temps Zinglean pral connaît des difficultés pendant ce temps Kenny Demang continue rester chanteur formation musicale ça en formation musicale qui entre-temps connaît passage d'Aben Chéri James Odile qui connaît un passage éclair d'un chanteur tant qu'à Hollywood et là Zinglean pral perd du Richie monsieur pral fait appel à nouveau à Onek tant qu'à Reginald Kanje et qui pral associer Reginald avec Kenny Demang pour produire le superbe album Résultat, un album qui pourra le permettre que Zinglean reprenne place après les difficultés que Zinglean te connaît. Un album que la majeure partie des chansons qui gravaient sous lui, c'est Kenny Demang qui composait, c'est Kenny Demang qui produit. Ce sont des musiques tant que Love Someone, tant que Prends Chérie, Prends Pitié. C'est des musiques que Kenny écrit, que Kenny d'ailleurs chantait sur l'album ça, qui te connaît de succès. Un album qui te gagne sous les tout de l'autre musique que l'autre monde te composé, des musiques que on est tant pour Denner Seyid participer sous yo, l'autre prend des musiques tant pour Résultat, on prend des musiques tant pour Dancing in the Dark. C'est autant de titres qui te retrouvé sur l'album ça et qui te connaît en succès, qui te permettent que Zinglean repositionne et affiche comme une dans jazz cap mené pendant la période ça. Après l'album Résultat, Kenny Demang pour aller quitter formation musicale Zinglean. Et là, Reginald Kanje pral fait même route là tout, Reginald pral quitter Zinglean et Kenny Demang qui lui-même pendant période ça tout profiter travail sous premier projet personnel li, un album que le sorti dans année 2015 qui était baptisé Full Service, un album qui a gagné plusieurs chansons
très connu du public sous lui. Sous prend musique tant que My Pen qui t'est retrouvé sous album ça, ou prend musique tant que You Got Mail qui t'est retrouvé sous album ça. Album m'a rappelé qui t'est baptisé Full Service qui sorti en 2015 et n'a rappelé quelques titres qui retrouvé sous album ça. Ou prend musique tant que Full Service sous album ça, My Pen Responsabilité avec Gazman Couleur qui ni chanté musique ça. Ou prend musique tant que Détermination, Parent Mal pour Mal, Let's Party, C'est pour lier, autant de titres qui te retrouvé sous premier album solo Kenny Demang qui t'est baptisé Full Service qui sorti en 2015. Après projet ça, Kenny Demang décidé que ensemble avec son père li, Ralph Menelas pour remettre projet 509 là sous pied. Et là, les gars décidé pour mettre Tont Expressing dehors pour annoncer que 509 retournait dans market là. Expressing ça et gain encore qui te permettre que Mounio rende compte que Kenny avec Ralph Menelas remettait tête ensemble pour produire un album en bas les belles formations musicales yo qui baptisé 509. Mais c'est bien compté, mal calculé sur monde qui t'attend album ça sorti puisque seulement quelques jours avant l'album d'en sorti, Kenny Demang qui relamboué album qui confisqué par Ralph Menelas, album ça pas jamais rivé sorti alors que son album qui était déjà préparé, un album qui était gagné titre parce que album ça a été doué les Kembe position, tracklist album n'était gagné disponible pour la presse, album ça qui pas jamais sorti. Kenny qui a tenté remettre Favonaï sous pied pour compte lui mais avec un lot orthographe pour l'appellation Favonaï, c'était décidé de les groupes là Favonaï avec F A V O N A I tréma. Et malheureusement projet ça qui pas duré, les Kenny décidé retourner vivre en Haïti, il s'est décidé mettre un projet sous pied que le baptiser Kenny Way et jodi a Kenny Demang, c'est chanteur formation musicale ça qui baptisé Kenny Way, Kenny Way qui sorti qui paraît tête lui avec une superbe composition qui s'était expressé pour annoncer groupe là pour le sortir album ni qui est baptisé Patience. Quelques temps après groupe là qui pourrait sortir trois autres musiques parmi eux en musique tant que Stranger en musique tant que Prendre un coup, c'était deux parmi trois musiques ça que Kenny était sorti avec groupe Kenny Way pour annoncer que l'album n'en fait prêt. Et été 2019 là Kenny Way avec Kenny Demang et ses jeunes musiciens voient ce type premier album yo. Un album qui baptisé Kenny Anyway, un superbe album avec des musiques tant que Trust, tant que Machin Kokoe, tant que Moins Collé, tant que Prendre un coup, tant que Sénoulier, Unfell, Stranger. Autant de titres qui retrouvé yo sur album ça. Et album ça, nous cap dit en musique tant que Machin Kokoe. C'est peut-être une des musiques qui plus marcher sur album ça, mais qui quand même gagne temps devant. Il suffit que équipe Kenny Way là, yo même yo continuer faire promotion pour album si là, malgré le contexte sociopolitique pays a, vinrande que travail de promotion album yo, travail de promotion de la musique haïtienne pas véritablement qu'a fait, mais nous croyons que album Kenny Way là, qui est le Kenny Anyway, gagne pile potentiel pour album ça, t'as gagné plusieurs musiques qui sortent du lot par rapport à qualité musicale, par rapport à qualité performance musicien. Et particulièrement, on est tant que Kenny Demang comme chanteur sur l'album Silla. Et je nous connais déjà série rubrique spéciale ça yo sous artiste, sous formation musicale, sous musicien, sous carrière yo. Il toujours fini avec quelques anecdotes sous yo. Mais sous Kenny Demang, qui te rappelle que Kenny Demang c'est quand même un rare musicien qui a chance de faire travail ça. Je sais où on est qui à la fois remplacé Alan Cave. Nan Zin, lorsque Zin a performé et que Alan a un problème, et c'est un tout qui remplacé. On est pour King Kino, Pierre Raymond Diver, dans Phantoms, lorsque Phantoms a performé et que Kino a un problème. Qui donc, de jazz, qui dans période ça a été dans polémique, Kenny Demang, te lui-même une chance pour jouer dans Youn ou dans l'autre, lorsque vedette formation musicale ça a eu une difficulté pour lui-même yo performer avec jazz ça yo. Dans des soirées côté yo te gen responsabilité pour animer public là. Kenny Demang tout c'est un artiste qui fait partie de youn nan pi bon dream team qu'on pas direct là qu'on est. L'on prend un projet tant que projet New York All Stars là. Sous prend le projet Superstar Music Machine. C'est un deux projets qui étaient regroupés mais vraiment de gros tonton talent ensemble. Projet New York All Stars là que Kenny Demang te fait partie de lui. Son projet qui gagne la donne, Armstrong jeune. Pas grand qu'un doute que Armstrong, c'est une des meilleures voix qu'on part pour génération PAL là. Pas grand qu'un doute qu'on est tant qu'Iva Bell de Fridge, c'est une des meilleures bassistes génération ça.
Pas aucun doute sur talent on est tant coucher de Abraham comme batteur. Pas aucun doute sur talent on est tant pour Wilmir Jean-Pierre comme keyboardiste. Pas aucun doute sur talent on est tant pour Makarios Césaire comme guitariste. Et qui te me rappeler que tout musicien ça yo fait partie de New York All Stars, un super projet, une super formation musicale que Kenny Demand a gagné opportunité fait partie de lui dans l'année 2000. L'autre anecdote sur Kenny Demand que n'a vu partager avant, on rappelle que Kenny c'est un avec tout qui gagne plus chance pour remplacer chanteur au sinon pour faire appel à elle pour remplacer chanteur. Pas pour venir remplacer chanteur dans jazz là définitivement, mais si chanteur a un problème, Kenny c'est un avec que musicien yo, maestro jazz là ou bien tête pensant groupe là toujours penser faire appel à elle pour remplacer chanteur. Mais Kenny qui à plusieurs reprises équipe Zinglean, lorsque Gracia a bâti problème dans Miami, mais qu'on fait appel à monsieur pour venir remplacer Gracia devant formation musicale Zinglean lorsque Zinglean a des performances et que vous avez une certitude sous présence Gracia ou bien Gracia a de la difficulté qui fait le paca là, ben Brutus particulièrement toujours fait appel à un acteur pour Kenny. Il y a la petite histoire, rapporte que Gonle, Gon programme pour Zinglean, t'as joué, Gracia, personne n'attendait et Kenny demande. Brutus décide de faire appel à elle, sorti New York, traverser Miami pour venir remplacer Gracia dans Balta. Et à la dernière minute, Gracia qui vient, Kenny Demang, qui jouait World Joker, qui était en stand-by, qui attendait si Gracia va venir. Heureusement pour Zinglean, Gracia vient, mais heureusement pour Kenny Demang tout, le pays le glas normalement, même si joue ça, il n'est pas chanté avec la formation musicale Zinglean. Et puis toujours son j'aime été respect devant non Kenny Demang. Je me disais, les m'a introduit, c'est une rare artiste haïtien. Et m'a dit chanteur. Puisque, citoyen, ça a tellement gagné code dans Artly, c'est très difficile pour qualifier le bon chanteur. Je suis à la fois compositeur, les arrangeurs, les producteurs. Je sais vraiment un superbe talent que Génération Compas a produit. Toujours songer pour mettre respect devant nos monsieur. Puisque, c'est une artiste que m'estimer nous pas apprécier à sa juste valeur. Pour qui ça me dit mettre respect devant nous, c'est parce que c'est un rare chanteur qui l'a arrivé dans le jazz, trouvé l'obligation pour la reprendre musique, quatre chanteurs qui chantent dans la formation musicale. Ça. Kenny Demang, le monsieur a intégré Zinglean en 2006-2007, et bien monsieur a trouvé l'obligation pour le reprendre parfois les musiques que Gary Didier Perez a chanté, mais pour le reprendre assez souvent des musiques que Gracia Delva t'a chanté, des musiques que Reginald Kangé et frérot Jean-Baptiste t'a chanté. Par exemple, il chanteur qu'on pas direct qui gagne chance fait ça et qui fait Jean qui était fait avec Zinglean. Deuxième raison pour mettre respect devant non Kenny Demang, Kenny Demang c'est un artiste qui produit plus hit dans génération pas là. Elle me dit produit que ce soit pour lui-même lui chanter ou sinon pour le bail de l'autre artiste chanter. Kenny Demang c'est artiste qui derrière en musique tant que je t'aimerai toujours que Alan Cave chante. Kenny Demang, c'est artiste qui derrière en musique tant que My Life que Tilly Net, James Mon Plaisir, 5 étoiles chante. C'est monsieur qui derrière en musique tant que Malgré Tout que Tian Sito du groupe Maestro chante. C'est monsieur qui derrière Pas Condamné que Gazman couleur de la formation musicale Disciple chante. C'est Kenny Demang qui derrière en musique tant que Amen Love qui retrouvé sous premier album personnel on est tant que Hervé Antenor Chaba. C'est monsieur qui derrière Femme Pam que J-Beat chanté. Autant de hits que nous retrouver on est tant que Kenny Demang derrière yo, sans compter hit que monsieur produit au son chanté avec des formations musicales tant que New York All Stars que fait partie de lui. T'as coup Favo 9 qui c'était projet que monsieur était tête pensante là-dedans. T'as coup Zinglean et Jodia avec sa très jeune formation musicale âgée seulement d'une année, la formation Kenny Way, formation avec laquelle il a réalisé l'album Kenny Anyway pour l'année 2019. C'est donc autour de gros tonton Atissa que 6e numéro yon ti coup de jeu spécial là t'est déroulé. Monsieur Relé m'a rappelé nous Kenny Demang. T'en prie. Songez pour nous toujours mettre respect devant nos gros tontons Matissa. Merci à nous-mêmes qui t'avons suivi l'épisode spécial ça. Toujours été branché TAC 509. Vous êtes connecté avec nous pour qu'on toujours été informé sur l'actualité. Mais informé tout sur des bagailles qui passaient dans le milieu musical haïtien, particulièrement à travers le rubrique d'Anti-Péché. Bye bye tout le monde.